j'ai. Que bientôt mes os sont dans le vent. Et c'est la scène. Elle est petite ici. Je suis née dans cette caravane. Elle est bien claire, vous. Nous partons, allez, viens. Allez, viens. Bon, un Perrier. Et Madame Pascaline, voilà, on est parti. Un beau petit patelin ici. Et c'est parti pour le Jura. Et voilà, après une première nuit au bord de la Saône, dans un petit terrain de camping à Auxhomme, nous voilà repartis. Bon, c'est Auxhomme, c'est près de un petit peu au-dessus de Dijon, 30 km de Dijon et à 20 km de Dole. Voilà, c'est matin, il y a soleil et puis nous voilà redémarrer. Il y a une chose que Jean-Luc a oublié de vous dire, c'est que ben il s'est déjà fait piquer par une bête. Voilà. Bon, ça, les vacances. Les vacances commencent. Allez, bonne route. Oui, bien alors là on est bien dans le Jura. Hein. On est sur les hauts plateaux déjà. Nous sommes arrivés à Clairvaux-les-Lacs. Terrain de camping où on restons quelques jours. Très beau terrain de camping, camping yellow. Voilà Pascaline qui est en train de nous servir à boire parce qu'on vient de s'installer, on est un peu chaud. Voilà, superbe emplacement, au soleil, très très bien. Ça va, Tio ? Un petit coup d'œil sur le camping là-haut, du Fayolan. La salle de spectacle, hein. La scène, et tout là-bas la piscine, avec une piscine couverte juste derrière. Pascaline en camping. Ça c'est l'entrée du camping, le Fayolan. Ça c'est pour Serge et puis Nicole, parce que c'est ici qu'on revient en fin d'année passer Noël. Voilà, à Cria. Alors on a bien monté quand même, parce que c'est assez haut. Et c'est un beau petit village, mais il y a plus que 3 ou 4 maisons, comme il nous le disait. Et les plateaux du Jura. Alors ça fait partie d'un ensemble de cascades du Hérisson. Alors en marche, vous avez vu, Pascaline a mis ses bottines. Alors nous sommes ici au lac de Chalin. Ils sont plus pour un certain temps que se renverse. Et vu personne. Petite vue du Jura. Ah, le fleuve Lin. C'est ce qu'on appelle les marmites. Alors nous sommes ici à Orgelet. Ville très fleurie, monument historique. Et Orgelet, c'est la ville de Cadet-Roussel.
C'est magnifique, c'est toute la vallée des lacs. En fait, de ce côté-ci, on voit rien du tout. Un petit passage à Saint-Claude dans le Jura, au bord des pistes des Rousses. Et qui dit Saint-Claude, forcément la capitale de la pipe. Avant de repartir, c'est franchement le gros bourg de montagne. Jeudi 1er août, nous voilà redémarrés donc du Jura sous le soleil d'azur. Et paysage magnifique quand même. Le Jura, bien ? Ouais, on reviendra. On viendra cet hiver déjà ? Ouais. Sans Hollandais. Sans Hollandais, ah oui, petit bémol, c'est que effectivement il y a beaucoup d'Hollandais. Direction les Alpes et Oyonnax pour commencer. Allez, et c'est reparti. Nous avons attaqué la Haute-Savoie. Petit arrêt pour manger, il est 13h. Près d'Annecy, là, mais nous sommes sur la route de Chambéry. Pascaline a déjà sorti son linge. Pour le petit séchage au soleil. Il y aurait un vol de rapace. En fait, il y en a plein, ils suivent la moissonneuse-batteuse. À mon avis, pour tous les mulots et tout qui doivent traîner. Beau paysage. C'était très difficile, on vient de franchir Gap et on a entamé la route Napoléon. On a eu une sacrée montée là. Ici, c'est le lac de Laffray. Donc on est dans les hauteurs. Oh chérie. Ça monte, hein? La route Napoléon. On a dû couper la clim. Ça va? Parce que sinon, la voiture, elle chauffe de trop. Tu vas arriver au bout? Bon, on va y arriver, comme d'hab. Vivement la bière, hein? Ah oui, oui, dis donc. Regardez le paysage. C'est magnifique, grandiose. Hollandais, non. Encore ? J'ai perdu. Et voilà, nous y voici au lac de Serponçon. Un aperçu de notre installation à Baratier, près d'Embrun. L'entrée avec le self ici. L'installation des jeux. Et puis l'installation piscine. Avec les montagnes derrière. Lundi 4 août, eh bien, nous voilà partis en excursion, nous avons toujours le soleil. Courage!
tried to be a man, and someday you understand. Toujours de paysages magnifiques. Restauration. D'habitude on mange pas lui. Habituellement on mange. Enfin habituellement parce qu'il ne fait pas manger. Donc. Regarde, nous attaquons ici le col des Bonnettes, la direction de Nice en train. T'as pas le vertige? De soleil sur Sauze le lac, c'est la vallée de Loubaille et c'est aussi le lac de Serpenson. Un petit détour sur Briançon et Montgenèvre. Alors c'est une station de ski à Montgenèvre. On vient d'Italie, on est allé chercher un peu d'alcool. La frontière est juste à côté. Et là c'est Michael. Alors là, nous sommes tout près de Briançon. La zone fortifiée. Et la ville où nous arrivons. Nous sommes au Petit Liou parce que nous n'avons pas pu rester, nous n'avions pas réservé. Voilà, on est arrivé ce matin, on est pas mal installé. Bon, départ de randonnée pique-nique, nous sommes mercredi combien d'août? On est en vacances, on n'en sait rien. On est mercredi quelque chose au mois d'août. Voilà, nous sommes partis. Ça va? Et on continue la marche. Hey, Joe.
Ça va ? Et arrête, ça va ? Ah, ça va être l'heure de la coupe. Fabrice, tu fais quoi là ? Allez, je vais mettre le flot. Il y a le glaçon ? Oh là là, il y a pensé à tout. Bon, à votre santé ! Il y a le melon qui refroidit. Et c'est reparti pour l'ascension. Tu vas pas ? Et toujours l'endurance qui vient remplir le lac de Serre-Ponçon. Et voilà, la randonnée est terminée. On a fini. On est un peu mort. On a fait 42 km dans les montagnes. Et forcément, après l'effort, eh bien le réconfort. Vendredi 8 août, nouvelle promenade vue sur Château-Queyras, sur la route de Saint-Véran, toujours dans les Hautes-Alpes. Dans l'habitation quand même. Et voilà, c'était Saint-Véran, la plus haute commune d'Europe. Alors aujourd'hui, c'est journée bateau. C'est Fabrice qui en commande. Ça va le pilote ? Fume, vas-y, fume. Hé, hey, Fabrice, c'est qui la petite blonde de bois de toi ? Bon paysage magnifique.
Ça va, Joe? Non, 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 c'est bien. Ah, ta casquette, ma casquette. Ça va, il y a un fambouille, ça. Vite, là, ma casquette. Allez, là-bas. Je crois que je vais l'enlever parce qu'elle arrête pas de... Dépêche, on voit qu'elle coule, hein. Ah, ça coule. Tombe Michel qu'on rigole quand on regarde dans le film. Merci Michel. Nous approchons les. C'est où qu'on bouge? Nous approchons les côtes africaines. Il faut mettre là en trou, quoi. Faut attacher. On approche les côtes africaines. Tu descends? Il n'y a pas de crocodile, Michel? Si, si. Non, il y a des tortues mangeuses d'hommes. J'ai vu un hippopotame là-bas. Et là, tu repars où là? Laisse faire, Marie-Jo. Laisse faire les pros. Michel, fais-moi un sourire, hein, je trouve votre dos là. Fais-moi un petit sourire. Nous avons trouvé l'île de Robinson Crusoe. Bon, l'eau était un peu vaseuse quand même, mais bien. Nous sommes en train de quitter les Hautes-Alpes et Embrun. Nous sommes sur la route de Sisteron et Digne, en route vers la côte. Là, c'était la petite halte du midi pour la restauration. Voilà, en route vers Sisteron, Digne et puis Toulon. Voilà. Lundi 11 août. Nous voici maintenant dans le Var, installés à Méhoun, camping autonome. Bon, un petit camping, 2 étoiles, mais bon, pas trop mal. Ce soir, nous recevons Conchetta et Pascal pour l'apéritif. Pascaline est en train de préparer des petits toasts aux artichauts que nous avions achetés au marché de Embrun. C'est moi. Ben, il est là. Il est là. Merci. Voilà, ça, vous êtes là pour l'apéro? Et voilà, ben c'est l'heure de l'apéritif. C'est l'heure de l'apéritif. Comme les invités sont arrivés, c'est l'heure de l'apéro. On le dirait pas. Et voici la baie de Cassis. Pascaline à Cassis. Le ciel est bien bleu. Hein? Et voilà la Grande Bleue avec ses plages surpeuplé. Bon, on va se frayer un chemin pour en mettre, au moins mettre les pieds. Et puis après, on va aller voir un coup. Pas Cassis, mais cette fois vu du bar de la Marine.
Aujourd'hui, nous sommes le 14 août, jeudi, et nous attendons Alicia et Marie qui devraient d'un instant à l'autre apparaître en Nissan Micra sur cette route. Nous sommes à Belgentier. Et voilà là-bas. On est chez Pascal et Concetta. Benjamin, grande discussion sur l'armée, etc. C'est une ambiance, un style de vie particulier qui change totalement. Kevin qui refume maintenant. Alicia. Alicia et Marie. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? T'es supportrice? Ah d'accord. C'est une opposition latente et passive. Avec Pascal. Pascal, pour les saucisses, tu me préviens. Tu peux venir là, c'est bon. Ah bah on y va. Les siciliennes. C'est pas beau. Ah ouais, t'as mis mes saucisses là. Je mets là dans la rue. Ah ouais. C'est qui? Les yeux ensemble. Ah ouais, parce que. Mais tu présides là? Bon, n'importe, hein, parce que moi j'ai pas beaucoup de l'alcool, parce que j'ai le temps. C'est pour ça que toi, je crois que tu mets avec nous, comme ça on aura deux fois plus. Ouais, ouais d'accord. Ah, quand même! Tu nous fais pas des tomates pascalines aujourd'hui? Yeah!
100 Pascal. Allez, 100 Pascal. Hein. Pascal, t'es où? Oh non, non, Pascal, non, non, ah, t'es là. Ah. Et le rituel. Eh, Pascaline. Tu veux une serviette sèche, pas de problème, tiens. Non, non, allez, remonte, remonte. Hey, tu voulais une serviette sèche, hein? Mais j'ai plus l'œil. Tu rigoles? Il est plus lourd que moi. Ça va pas, Kevin? Bah, c'est Alicia, elle a perdu sa carte SIM. Un coup de main blanc, Alicia, du... On a d'une soirée bien arrosée, Kevin. La tête, ça va? Je suis content, Paris a gagné. Pourquoi? Oui, match de l'année avec François. Paris l'a gagné, ça va. Ah bon, ah, tu te rappelles plus de la nuit dernière? Oh si si, très bien, mais... Très bien. Juste les routes sinueuses. C'est quoi le nom de la boîte? Season. Et Benjamin? Benjamin. Et Benjamin? Sam. Sam le conducteur. Oui. C'était comment la boîte? Le nom? Bien. Le nom? Season. Non, c'est Season, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, mais si. Bon alors Benjamin fait partie de ceux qui ont ramené tout le monde là, voilà. Hein, c'est ça. Avec Marie. Là. Et comme c'est famille nombreuse, il y a beaucoup de lessive. Les jeunes au boulot. Chef de camp. Dimanche 18 août, eh bien, on vient de, comme on dirait, s'incrinquer chez Franck et Aurélie. C'est qui le tchoubiloute là? Bon ben c'est l'heure de l'apéritif. Hein. On prend ça, on va en discothèque. Qui c'est qui crie là? Un petit mot avec une cravate, machin, je voulais où est-ce qu'on est, un truc. C'est quoi ces sous-mots? On est là-bas. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, caca. Bonjour. Toi, tu découvres le caca. Bah toi, tu bois l'apéritif tout seul là? Lundi 18 août, retour à Cassis pour la visite des Calanques.
Alors avant les calanques, c'est restauration rapide, petite salade. Ça va ? Vous voulez une entrecôte, non ? C'est Pascaline qui fait son tour de France. Oh ouais, c'est toujours moi qui suis sur les départ vers la grand-mère. C'est la première calanque. Voilà, nous arrivons donc à la première calanque. L'eau est très très claire. Deuxième calanque. Grotte de Castelvieille. Et Marseille, le port. Bienvenue à Marseille. L'île de France est aussi la plus ancienne. Elle fut fondée par les Grecs venus de... La tour de forme carrée, appelée la tour du roi René, a été édifiée au 15e siècle. Sur un plan calcaire à 162 mètres d'altitude. C'est un monumental statue. Ça, c'est Marseille. Et
19 août 2008, c'est donc l'anniversaire de Marie. Et ce soir, nous sommes à l'auberge de Pancha, je ne sais plus. Et nous sommes installés au restaurant. Donc tu disais pas que c'était Marie, ça maximale, 19 ans. Non, il y a là aussi un 53. Pascal, 53 ans. Alors là, ça y est, c'est le départ. Nous sommes sur la route du retour, nous sommes à Crias sur la route du retour. Cria. Comment ? Bon, on est à Crias sur la route du retour. Et c'est un petit camping tranquille et il y a un petit concert de Sénégalais. Nous allons redémarrer de Châtillon-sur-Seine pour la dernière étape de ces congés 2008. Avant, nous passons chez Nicole à Troyes et puis dans l'après-midi, nous sommes à Beuge. Bon, ça va, il y a du soleil encore. Moins chaud, mais il y a du soleil. Bon, ouais, et merci pour le repas. Hein. Voilà, c'est avec plaisir que vous vous. Bon, on reviendra donc. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Bon, tu on y va ? On rentre cette fois-ci ? Dernière étape.